Vas-y. Bonjour mes amis, c'est Eyot. Et c'est maman. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les choux à six mes mots. Ainsi, mes morts en anglais. Et c'est la version Anglais. anglais. Maison et objets. Maison. Tu ouvres la boîte? Oui. Alors, la boîte est aimantée. Quatre. Ça, c'est la carte avec tout ce qu'il y a comme avec les règles du jeu dans toutes les langues. Les variétés. Les messieurs. Voilà. Et là, on a toutes les cartes qui sont contenues dans la boîte. Voilà. Alors, donc effectivement, il faut faire des paires. Donc, par exemple, là, le vélo bike va se retrouver avec shield. Non. Shed. Shed, l'abri à vélo. Kennel, ça va avec dog. Donc, Allez. On va disposer de mes mots et on joue. Alors voilà, avec Elliot, on a sélectionné 10 paires. Swing garden, carpet je savais. et corridor. Machine à laver, washing machine, laundry room. Watering can, kitchen garden, bed bedroom, living room sofa, shield bike, office computer, playroom toys, wheelbarrow, tool shed. Et voilà, il n'y a plus qu'à. On les mélange et on les installe. Aïe! Alors on y va? Oui. Qui c'est qui commence? Toi. Moi. Alors, bed. Kitchen garden, à toi. Bedroom. Carpet. Eh, bedroom, qu'est-ce qu'on doit avoir dedans? Lit. Ben oui. Tu te souviens pas? Ah, vas-y. Retourne. Là. Bien. Et c'est à mon tour maintenant. Okay. Et voilà. Bed, bedroom. Ma. À toi, Elliot. Première paire. Ah, garden. Le jardin. Et playroom. Playroom, c'est là. Play, c'est jouer. Et room, pièce. La salle de jeu. Ça te fait. Tool shed, office. Office. Office, le bureau. Ah, computer, office. Seconde paire pour Elliot. À moi. Ah, attends, maman. Oui. Carpet. Ah ben tiens, tu l'avais déjà sorti celui-là. Carpet, normalement, ça va avec corridor. Swing. Swing, ça va avec garden. Là, raté. Playroom. Living room. Tool shed. J'avais déjà fait tool shed. Washing Ça machine. Toi. Ah, La watering vue, là. can. Ouais. Moi. Tu la gardes? Ah, wheelbarrow. Et tool shed. La brouette, l'abri de jardin. Yes. Bravo. Tu les as pas prononcées. Donc tu as watering can et kitchen garden. Le potager. Yes. Le potager et l'arrosoir. Et c'est à moi. Swing, swing, swing et garden. Là.
le jardin et la balançoire. Laundry room, machine. Égalité. Corridor, carpet et carpette. Corridor et carpette. Living room, sofa. T'as eu de la chance, on n'avait pas retourné celle-ci. Toys, playroom, bike et shed. 1, 2, 3, 4, 5. Combien est-ce que tu as de paires, Elliot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends. Ah, t'en as pas une? En paires. Une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, cinq paires. Et moi, j'ai une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, cinq paires. Égalité! Là, ça commence. On recommence? Oui. Alors, vous voyez, il y en a plein d'autres. On en a mis 10 pour que ça fasse une partie rapide, mais il y a plein d'autres pièces et objets. Et donc, ça permet d'apprendre petit à petit le vocabulaire et la prononciation. Et ça existe aussi en animaux et couleurs, nourriture et nombre, et corps et vêtements. Voilà, et on l'a aussi, on les a en espagnol aussi. Oui. Oui. On dit au revoir? Quoi? On dit au revoir. On fait une vidéo courte ce coup-ci. Course. On fera d'autres vidéos avec d'autres jeux, d'autres assis-mémores. Allez, salut! Attends! J'attends quoi? Vas-y, à toi. Les YouTube. Abonnez. Ouais. Les mecs. Like et laissez un commentaire. Les cloches aussi. Et la cloche. Salut! Salut! Au revoir! Bye bye!